Salut à tous. Aujourd'hui, Houdini et Robert Houdin sont-ils des frères jumeaux? En fait, pas du tout. Ils sont même totalement différents. Houdini était américain et Jean-Eugène Robert Houdin était français. Jean-Eugène Robert Houdin est né à Blois en 1805 et il est considéré comme un des plus grands maîtres de la prestidigitation car il a inventé des tas d'illusions et de grands trucs. Cet homme était un grand gentleman, mais un très grand créatif surtout, qui fait la différence avec un certain Harry Houdini, qui lui est un magicien américain né à Budapest en 1874, de son vrai nom Eric Weiss. Houdini avait une spécialité, l'escapologie. Mais c'est quoi l'escapologie? C'est une des familles de l'art magique. L'art de s'échapper, de se libérer de ses chaînes, de ses entraves le plus rapidement possible. Et si on regarde un peu plus près le nom de Houdini, on se rend compte qu'un I rajouté à Houdin fait Houdini, comme l'hommage d'un élève à son maître. Vous l'avez compris, Houdini est né près de 70 ans après Jean-Eugène Robert Houdin. Houdini était un meilleur communicant que magicien. Il passait beaucoup plus de temps à faire valoir ses exploits, entre guillemets, plutôt qu'à travailler son art. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour ne rien gâcher, il a passé sa vie à faire disparaître le nom de Robert Houdin, à le décrédibiliser pour paraître plus beau qu'il n'était. La preuve, c'est qu'encore au XXIe siècle, certaines personnes confondent Houdini et le grand Jean-Eugène Robert Houdin. Étonnant, non? Allez, n'oubliez pas de vous abonner, moi je vous dis à demain. Salut!